Ah tiens, vous êtes là. Oui, j'avais besoin d'un endroit pour travailler mes potions. J'espère que ça vous dérange pas. Non, vous pensez? Ma cave est à tout le monde. Ça bosse, ça bosse. Et oui, faut que je travaille mes mixtures pour les prochaines quêtes. C'est sûr. Oula, ça en fait du bazar, hein? Ça va? Pas trop étroit? Oh, ça va. Il me faudrait juste de la place où poser mon chaudron. Peut-être à la place du tonneau, là. Bien sûr! Je pourrais aussi vous libérer cet espace, là! Ça vous ferait un bel établi, hein? Oh, ce serait super gentil! C'est rare de voir des personnes aussi compréhensives envers l'alchimie. Mais je suis compréhensif à fond, moi! Tiens, je vais même débarrasser la cave pour que vous ayez un vrai laboratoire! Un laboratoire rien qu'à moi? C'est vrai? Ben non! Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte, si l'espoir fait vivre, l'alcool fait rêver! Alors vous allez me prendre vos drouilles et me débarrasser des dieux avant que vous encastrez vos potions là où je pense! Ça pue là-dedans, qu'est-ce que vous avez fait cramer? Bah rien. Ah si, il y a une potion qui a mal réagi et a fait quelques étincelles, mais c'est rien. Oh, des étincelles! Quoi? Vous avez un problème avec les étincelles maintenant? Vous savez ce que j'entrepose dans ma cave? Vous savez ce que j'entrepose dans ma cave? Pff, prenez vraiment pour un gamin. Dites-moi pour que je sois sûr. Bah, c'est là où vous entreposez votre alcool. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes complètement demeuré, en fait. Quoi? C'est pas ça? Si, si. Justement, vous, vous savez ce qu'il y a autour de vous, et vous faites péter les trucs quand même. Génial! Génial! Hein? Je vois bien que vous panez que dalle, donc je vais vous expliquer de la même façon que précédemment. Vous auriez pu foutre le feu à ma réserve et envoyer le QG sur la lune, abruti! Et travailler en extérieur, ça vous dit pas? Non, ça me dit pas. En plus, avec la météo de Burgundia, un jour sur un, il pleut. Au moins, ça éteindrait les incendies que vous provoquez. Hein. Très drôle. Bon, je vais remonter au QG et trouver une place dans la salle à manger. Ah ça non! Vous allez pas nous envahir avec vos trucs, on a déjà pas assez de place! Écoutez, je ne suis pas un guerrier alcoolique qui a besoin d'une cave de 20 mètres carrés pour sa gnôle. Je suis alchimiste, moi! Ce qui sous-entend que j'ai besoin d'espace pour travailler. C'est comme ça! Et si je vous dis que j'en ai rien à carrer, qu'il fallait y penser avant de vous lancer dans l'aventure? Eh ben, je vous répondrai que je suis le chef de la compagnie, que je suis le propriétaire du QG, et que si j'ai envie de vous dégager de la cave, j'ai le pouvoir de le faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'aménagement que je vous ai fait? C'est pas mal, pas mal du tout. Petit, mais sympa. Vous m'avez même trouvé un petit chaudron en plus. Le bureau est très ergonomique, il y a une petite étagère en dessous et un petit tiroir où vous pouvez ranger vos trucs, là. Il coince un peu, c'est de la récup pour trop demander. Sinon, voilà les règles de cohabitation dans ma cave. En 1, pas d'étincelle près d'une source d'alcool. Enfin, il y a de l'alcool partout, donc ça veut dire pas d'étincelle du tout. C'est ça. En 2, pas de tapage dans ma réserve sans mon consentement. En 3, on ne déplace pas mes bouteilles, j'ai un rangement, ne venez pas me foutre le foin. En 4, chacun son espace, que je trouve pas votre merdier dans mes affaires. En 5, pas de cohabitation sans boire un verre. Je suis là, vous trinquez. Ça me va, c'est tout? C'est tout! Bienvenue dans la cave de Zero Quest, aucun. Ouais, je vous ai dit que c'était de la récup. Faudrait mettre une cale au-dessous.